Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un reading vlog. Je vais essayer d'avancer mes lectures du challenge Flower Books Challenge. J'avais déjà tourné cette introduction hier, du coup pour moi c'était samedi 27 mai. Parce que je voulais faire un challenge de lecture sur 24 heures, bah, j'ai commencé à lire, il était 14h, voire même ouais, peut-être 16h. Donc c'était totalement foiré et je me suis dit que j'allais pas me prendre la pression, enfin j'allais pas me mettre la pression plutôt et juste lire un petit peu pendant quelques jours et avancer 2-3 petites lectures. Donc j'ai commencé à lire Les Impatientes de Jaylee Amadou Amal. J'avais déjà commencé et au final j'avais juste lu 2 chapitres avant de m'endormir et bah, j'étais trop fatiguée donc je m'étais endormie dessus. Et bah, pour tout vous dire, j'avais lu que la personnage principale s'appelait Ramita, et pas du tout, c'est Ramla. Et donc là, j'en suis à un tiers du livre. J'ai lu la petite histoire du coup sur Ramla, vu que c'est séparé en 3 parties. Donc la partie sur Ramla, une partie sur Safira et une partie sur Hindou. Alors j'ai vu que ça allait être entremêlé, donc pour l'instant, comme je me doutais, énormément de propos me révoltent, je le savais déjà que ça allait faire ça, mais ça fait toujours un petit peu mal d'avoir ce genre de propos là, parce que si vous connaissez pas l'histoire, en fait on va suivre donc l'histoire de ces 3 femmes qui vont être mariées de force. Elles habitent toutes les 3 au nord du Cameroun dans des familles peules ou musulmanes, et ben bah, voilà, c'est ce qu'on leur enseigne depuis leur plus tendre enfance, c'est la patience, parce que la patience est la plus grande vertu d'une femme. Et voilà, on va les suivre dans cette nouvelle vie. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, couscous? Mais tu peux sortir, hein, c'est ouvert. Je disais, du coup, on va les suivre toutes les 3 dans leur vie, enfin dans cette nouvelle vie, et quelles conséquences ça va avoir sur elles. Et ben pour l'instant que j'ai lu celle de Ramla et j'ai bien aimé, même si je trouve ça assez court parce que au final on a que 90 pages sur elle et je trouve ça un petit peu court. J'espère que ça va être un peu qu'on va la revoir en tout cas dans les 2 autres histoires de Hindou et Safira. Je vous en parlerai un petit peu plus quand j'aurai avancé. On est lundi matin et je viens vous parler de mon avancée dans Les Impatientes avant d'aller au travail. Donc j'ai terminé, là il y a quelques minutes, de lire la partie sur Hindou. Et je vais pas vous mentir, elle m'a fait énormément mal au cœur parce que on parle beaucoup de violence conjugale, autant violence physique, sexuelle, enfin bref. Beaucoup beaucoup de violence dans cette partie. Donc vraiment faites très attention si vous voulez lire ce livre, faites attention à vous quand même si c'est des sujets sensibles pour vous, parce que c'est quand même assez explicite, c'est très répétitif, vraiment elle subit énormément de violence et
la réaction qu'a sa famille, les femmes, les hommes, est très... c'est très énervant, c'est injuste, enfin tout ce que vous voulez. Je savais que ça allait me faire ressentir ce genre de choses. Je savais que j'allais ne pas être d'accord, mais là c'est vraiment très... très agaçant, très... on a un peu envie de les secouer, de leur dire vous êtes complètement malade, de penser ça. Mais encore une fois, je trouve que c'est un peu court et qu'on s'arrête un peu rapidement sur, sur son histoire. Peut-être que je trouve que le livre est un peu court et j'aurais aimé avoir un peu plus de contenu à chaque histoire. En tout cas, pour les deux premières, j'ai pas encore commencé l'histoire de Saphira. Je la commencerai probablement pas tout de suite parce qu'il me reste que 40 minutes avant d'aller au travail, donc je pense que je vais peut-être regarder des vidéos YouTube. Mais voilà, c'est intéressant, j'aime beaucoup découvrir tout ça, même si c'est assez difficile à lire et si c'est aussi très rageant en fait de voir les choses qu'on inculque aux filles et... les choses qu'elles doivent subir et à chaque fois c'est de leur faute, enfin bon bref, je trouve ça très, très injuste et ça m'énerve, mais Hindou m'a beaucoup touchée et je suis tellement triste pour elle, vraiment son histoire est très dure à lire, donc voilà, pour l'instant c'est ce que j'en pense et ben, je vous tiendrai au courant quand je continuerai ma lecture. Je vous reprends le lendemain pour vous donner mon avis final sur Les Impatientes. Je l'ai terminé hier soir. Donc j'ai lu la dernière histoire sur Saphira et mon avis global est plutôt mitigé. Saphira est la première épouse d'un homme et elle va devoir gérer l'arrivée d'une co-épouse alors que ça fait 20 ans qu'elle est mariée avec, avec cet homme. Et en fait, le climat de jalousie, compétition, etc. m'a mis un petit peu mal à l'aise. Et en fait, c'est un très bon livre, mais je pense juste qu'il n'était pas forcément fait pour moi parce que j'ai eu beaucoup de mal à gérer la violence, la rivalité entre les femmes parce qu'on leur dit qu'il faut pas qu'elles soient rivales, mais en même temps, il faut qu'elles le soient pour qu'elles gardent la face et leur honneur. C'est très insidieux comme, comme rapport et le fait qu'il y ait cette violence qui en rajoute et en même temps c'est toujours de la faute des femmes, si l'homme est violent, s'il y a telle histoire, c'est toujours de leur faute. Je savais pertinemment que ça allait être le cas mais je pensais pas que ça m'aurait autant dérangé. Et aussi je déplore le fait qu'il soit si court parce que j'ai encore beaucoup de questions par rapport à plein de choses qui se sont passées. Et en fait je trouve juste que bah, les chapitrages, enfin les trois histoires, autant Ramla, Hindou ou Saphira sont au final assez courtes. Elles font à peu près 80-90 pages chacune. Et bah, je trouve qu'au final on n'a pas le temps de trop développer ce qui se passe et on n'a pas le temps d'avoir les suites en fait de ce qui va se passer parce que Hindou on la laisse vraiment sur, sur une femme qui est complètement détruite et on ne sait pas ce qui va lui arriver après parce que tout le monde parle derrière son dos, parce qu'elle a un comportement bizarre, enfin c'est très... En fait, ouais, voilà, j'ai pas les réponses à mes questions et j'aurais aimé en avoir plus parce que bah, il est très court, hein, il fait 285 pages à peu près. Donc c'est au final assez court pour trois histoires qui s'entremêlent un petit peu et bah, on a le point de vue de chacune. Mais c'est vrai que la troisième histoire, c'est celle que j'ai moins aimée parce que vraiment cette rivalité entre femmes, se tirer dans les pattes, enfin, ça m'a mis un petit peu mal à l'aise, donc c'était une bonne lecture, c'est un bon livre qui mérite d'être lu, mais c'est vrai que moi j'étais peut-être pas forcément, c'était pas forcément adapté à moi, mais j'ai eu énormément de bons retours, c'est très bien écrit, il n'y a pas de problème là-dessus vraiment, les sujets abordés sont très importants, mais par contre faites vraiment attention à vous, autant pour la violence, toute violence confondue, hein, conjugale, violence sexuelle, tout.
Et aussi, ça parle de drogue, d'alcool, donc voilà. Si jamais c'est des sujets sensibles pour vous, ne le lisez pas. Mais voilà, moi ça n'a pas été une grande lecture, même si j'ai appris des choses et que c'était intéressant. Voilà, je sais pas si je lirai de nouveau Jaïe Amadou Amal, peut-être pour me faire une deuxième idée d'un de ses romans. Voilà, pour l'instant je sais pas trop encore, mais en tout cas je suis quand même contente de l'avoir lu parce que j'avais jamais lu de littérature camerounaise déjà et que c'est pas forcément un pays que je connais, enfin je le connais de nom hein, comme tous, mais j'ai aucune culture dessus, enfin j'y suis jamais allée, j'ai aucun ami qui a été, ou en tout cas enfin voilà, j'ai pas une grande culture sur la culture camerounaise justement. Je reviens une semaine après pour vous faire la conclusion de cette vidéo. Je pensais que j'allais lire plusieurs livres et au final j'en ai lu qu'un, donc Les Impatientes, mais je trouvais que ça faisait un bon reading vlog quand même parce que les sujets abordés sont assez importants et c'est un livre qui est assez costaud à lire quand même, donc je trouvais que c'était quand même intéressant d'avoir de faire un reading vlog dessus, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu, si jamais vous avez envie de lire ce livre et si jamais vous avez aussi un avis, que vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires. Et également si vous avez des suggestions sur des livres de la littérature camerounaise, africaine, enfin j'en lis quasiment pas, donc voire même pas du tout, hein, c'était mon premier, donc voilà. Et voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut !